Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Bruce Lee Bhalo. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le film emblématique d'arts martiaux, Opération Dragon. Mais avant de commencer, nous vous invitons à nous soutenir en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Merci de nous suivre. Commençons. Opération Dragon est un film d'arts martiaux de 1973 réalisé par Robert Clouse à partir d'une histoire écrite par Michael Alain. Il met en vedette Bruce Lee, John Saxon et Jim Kelly. Il s'agissait de la dernière apparition cinématographique de Lee avant sa mort le 20 juillet 1973 à l'âge de 32 ans. Coproduction américano-hongkongaise, elle a été créée à Los Angeles le 19 août 1973, un mois après la mort de Lee. On estime que Opération Dragon a rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde, estimé à l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars ajustés à l'inflation à partir de 2022, contre un budget de 850 000 dollars. C'est l'un des films d'arts martiaux les plus réussis de tous les temps et il est largement considéré comme l'un des plus grands films d'arts martiaux de tous les temps. En 2004, il a été sélectionné pour être conservé au National Film Registry des États-Unis par la Bibliothèque du Congrès comme étant, culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif. Parmi les premiers films à combiner l'action des arts martiaux avec des éléments de films d'espionnage et le genre émergent de la blaxploitation, son succès a conduit à une série de productions similaires combinant les genres des arts martiaux et de la blaxploitation. Ces thèmes ont suscité un débat scientifique sur les changements en cours dans les sociétés asiatiques postcoloniales après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Opération Dragon est également considéré comme l'un des films d'action les plus influents de tous les temps, son succès contribuant à l'intérêt général mondial pour les arts martiaux et inspirant de nombreuses œuvres de fiction, notamment des films d'action, des émissions de télévision, des jeux d'action, des bandes dessinées, mangas et animés. Lee, un artiste martial et instructeur très compétent de Hong Kong, est approché par Braithwaite, un agent des renseignements britanniques qui enquête sur un seigneur du crime présumé nommé Han. Lee est persuadé d'assister à un tournoi d'arts martiaux de grande envergure sur l'île privée de Han pour recueillir des preuves qui prouveront l'implication de Han dans le trafic de drogue et la prostitution. Peu avant son départ, Lee apprend également que l'homme responsable de la mort de sa sœur, O'Hara, travaille comme garde du corps de Han sur l'île. Robert, un accro aux jeux endettés, et son compatriote vétéran de la guerre du Vietnam, Williams, participent également à la compétition. À la fin de la première journée, Han donne l'ordre strict aux concurrents de ne pas quitter leur chambre. Lee prend contact avec l'agent secret Mei Ling et se faufile dans le complexe souterrain de Han, à la recherche de preuves. Il est découvert par plusieurs gardes, mais parvient à s'échapper. Le lendemain matin, Han ordonne à son exécuteur géant Bhalo de tuer les gardes en public pour avoir manqué à leur devoir. Après l'exécution, la compétition reprend avec Lee face à O'Hara. Pendant le combat, Han avertit O'Hara de se retirer tandis que Lee le bat de manière humiliante. Lee le tue ensuite après avoir attaqué Lee avec une paire de bouteilles cassées, obtenant justice pour le meurtre de sa sœur. Embarrassé, Han met brusquement fin à la compétition de la journée après avoir déclaré que la trahison d'O'Hara les avait déshonorés. Han confronte Williams, qui avait également quitté sa chambre la nuit précédente pour faire de l'exercice. Han pense que Williams connaît l'intrus et, après une bagarre destructrice, bat Williams à mort avec sa main prothétique en fer. Han révèle alors son opération anti-drogue à Robert, en espérant qu'il rejoindra son organisation. Han menace également implicitement d'emprisonner Robert, ainsi que tous les autres artistes martiaux qui ont rejoint les tournois de Han dans le passé, si Robert ne rejoint pas son opération. Bien qu'il ait été initialement intrigué, Robert accepte à contre-cœur après avoir appris le sort de Williams. Lee se faufile à nouveau cette nuit-là et parvient à envoyer un message à Braithwaite, mais il est capturé après une bataille prolongée avec les gardes. Le lendemain matin, Han fait en sorte que Robert combatte Lee, mais Robert refuse. En guise de punition, Robert doit combattre Bhalo à la place, qu'il parvient à maîtriser et à battre après une bataille épuisante. Enragé par cet échec inattendu, Han ordonne à ses hommes restants de tuer Lee et Robert. Face à des obstacles insurmontables, ils sont bientôt aidés par les prisonniers de l'île et les autres artistes martiaux invités, qui ont été libérés par Mei Ling. Han s'échappe et est poursuivi par Lee, qui finit par le coincer dans son musée. Après un combat brutal, Anne s'enfuit dans une salle de miroirs cachés. Les miroirs donnent initialement un avantage à Anne, mais Lee brise tous les miroirs de la pièce pour révéler l'emplacement de Anne et finit par le tuer. Lee retourne à l'extérieur pour la bataille principale, qui est désormais terminée. Les hommes survivants de Anne sont arrêtés, ses filles sont tuées et Tanya, devenue l'amante de Robert, est également tuée pendant la bataille. Meurtri et ensanglanté, Lee et Robert échangent un coup de pouce là alors que l'armée arrive enfin pour prendre le contrôle de l'île. Bruce Lee dans le rôle de Lee, un artiste martial qui enseigne aux élèves du temple Shaolin. Il reçoit pour mission d'infiltrer l'île de Han. John Saxon dans le rôle de Robert, un artiste martial et accro aux jeux invités sur l'île de Han. Jim Kelly dans le rôle de Williams, un artiste martial invité sur l'île de Han. Lui et Robert étaient d'autres anciens combattants qui ont servi pendant la guerre du Vietnam. C'était le rôle principal de Kelly. Anna Capri dans le rôle de Tanya, la secrétaire de Han qui coordonne les dames sur l'île de Han. Shih Kien dans le rôle de Han, doublé par Keye Luke, un seigneur du crime et moine renégat de Shaolin qui organise un tournoi d'arts martiaux dans l'espoir de recruter des talents pour ses opérations clandestines de lutte contre la drogue. Il possède une main gauche artificielle à laquelle il peut attacher diverses armes, dont une griffe et un jeu de lame. Bob Wall dans le rôle d'Ohara, le garde du corps de Han, connu pour une cicatrice au visage sur son œil gauche. Il était responsable de l'attaque contre la famille et la sœur de Lee. Wall est apparu auparavant comme un personnage différent dans La Voix du Dragon et apparaîtra plus tard comme un troisième personnage dans Game of Death. Angela Mao Ying dans le rôle de Sulin, la sœur de Lee. Betty Chung dans le rôle de Mei Ling, une agente qui travaille sous couverture en tant qu'une des dames de Han. Geoffrey Wicks dans le rôle de Braithwaite, un agent du renseignement britannique qui informe Lee de la mission. Yeung Sze dans le rôle de Bhalo, l'homme de main de Han. Sze est mieux connu sous le nom de Bhalo Yeung. Peter Archer dans le rôle de Parsons, un artiste martial néo-zélandais arrogant invité sur l'île de Han. Sammo Hung, non crédité, en tant qu'adversaire de Lee dans la scène d'ouverture. Jackie Chan en tant qu'homme de main mineure. Yuen Wah en tant que combattant de tournoi. Yuen a également servi de cascadeur de Lee dans le film. Roy Chao, non crédité, en tant qu'abbé de Shaolin. Pat Johnson en tant que voyou principal sur un terrain de golf qui tente de convaincre Robert de payer l'argent qu'il doit à Freddy. En raison du succès de ses films précédents, Warner Bros. A commencé à aider Bruce Lee avec le film en 1972. Ils ont fait appel aux producteurs Fred Weintraub et Paul Heller. Le film a été produit avec un budget de production serré de $850 000. Les séquences de combat ont été mises en scène par Bruce Lee. Le titre du scénario s'appelait à l'origine Blood and Steel. L'histoire met en scène des protagonistes héroïques asiatiques, blancs et noirs, car les producteurs voulaient un film qui plairait au public international le plus large possible. La scène dans laquelle Lee déclare que son style est « combattre sans combattre » est basé sur une anecdote célèbre impliquant le samouraï Tsukahara Bokuden du XVIe siècle. Rod Taylor était le premier choix pour incarner Robert, un artiste martial malchanceux. Le réalisateur Robert Clouse avait déjà travaillé avec Taylor dans le film de 1970 Darker Than Amber. Cependant, Taylor a été abandonné après que Bruce Lee l'ait jugé trop grand pour le rôle. John Saxon, qui était ceinture noire de judo et de karaté Shotokan, il a étudié sous la direction du grand maître Hidetaka Nishiyama pendant 3 ans, est devenu le choix préféré. Au cours des négociations contractuelles, l'agent de Saxon a déclaré au producteur du film que s'il le voulait, il devrait modifier l'intrigue afin que le personnage de Williams soit tué à la place de Robert. Ils ont accepté et le scénario a été modifié. Au cours d'une carrière de 6 décennies, le personnage deviendra l'un des rôles les plus connus de Saxon. Rob Tarkington était à l'origine choisi pour jouer le rôle de Williams. Cependant, il a abandonné de manière inattendue quelques jours avant le début de la production à Hong Kong. Le producteur Fred Weintraub savait que le champion du monde de karaté Jim Kelly avait un dojo d'entraînement à Crenshaw, Los Angeles. Il a donc rapidement organisé une réunion. Weintraub a été immédiatement impressionné et Kelly a été choisi pour le film. Le succès de l'apparition de Kelly a lancé sa carrière de star. Après Opération Dragon, il a signé un contrat de 3 films avec Warner Bros. Et a continué à réaliser plusieurs films de blaxploitation sur le thème des arts martiaux dans les années 1970. Jackie Chan a joué des rôles non crédités en tant que divers gardes lors des combats avec Lee. Cependant, Yuen Wah était le principal doublé de Lee pour le film, responsable des cascades de gymnastique telles que les roues et le saut en arrière lors du combat d'ouverture. Sammo Hung a également un rôle non crédité dans la scène de combat d'ouverture contre Lee au début du film. Une rumeur entourant le tournage d'Opération Dragon prétend que l'acteur Bob Wall n'aimait pas Bruce Lee et que leur scène de combat n'était pas chorégraphiée. Cependant, Wall a nié cela, affirmant que lui et Lee étaient de bons amis. Chuck Norris était initialement envisagé pour le rôle d'Ohara, mais a refusé, déclarant qu'une seule défaite cinématographique contre Lee lui suffisait. Le film a été tourné sur place à Hong Kong. Conformément aux pratiques cinématographiques locales, les scènes ont été filmées sans son, des dialogues et des effets sonores ont été ajoutés ou doublés pendant la post-production. Bruce Lee, après avoir été incité ou défié, a mené plusieurs véritables combats avec les figurants du film et certains intrus pendant le tournage. Les scènes sur l'île de Han ont été tournées dans une résidence connue sous le nom de Palm Villa, près de la ville côtière de Stanley. La villa est maintenant démolie et la zone autour de la baie de Tai Tam où les artistes martiaux ont été filmés en train de débarquer a été fortement réaménagée. Le musicien argentin Lalo Schifrin a composé la musique du film. Alors que Schifrin était largement connu à l'époque pour ses musiques de jazz, il a également incorporé des éléments funk et traditionnels dans la bande originale du film. Il a composé la partition en échantillonnant des sons de Chine, de Corée et du Japon. La bande originale s'est vendue à plus de 500 000 exemplaires, remportant un disque d'or. Opération Dragon a fait l'objet d'une forte publicité aux États-Unis avant sa sortie. Le budget publicitaire s'élevait à plus d'$1 million. Elle ne ressemblait à aucune campagne promotionnelle jamais vue auparavant et était extrêmement complète. Pour promouvoir le film, le studio a proposé des cours de karaté gratuits, produit des milliers de flipbooks illustrés, de bandes dessinées, d'affiches, de photographies et organisé des dizaines de communiqués de presse, d'interviews et d'apparitions publiques pour les stars. Esquire, The Wall Street Journal, Time et Newsweek ont tous écrit des articles sur le film. Opération Dragon a été l'un des films les plus réussis de 1973. Lors de sa sortie à Hong Kong, le film a rapporté $3 307 536, ce qui représentait une énorme affaire pour l'époque, mais moins que les films précédents de Lee de 1972, La Fureur de Vaincre et La Voix du Dragon. En Amérique du Nord, le film recevait des offres de $500 000, équivalent à $3 300 000 en 2022, de la part des distributeurs américains en avril 1973 pour les droits de distribution, plusieurs mois avant sa sortie. Lors de sa sortie limitée en août 1973 dans 4 salles de New York, le film est entré dans le classement hebdomadaire du box-office au numéro 17 avec un montant brut de $140 010, équivalent à $920 000 en 2022, en 3 jours. Lors de son expansion la semaine suivante, il est resté en tête des charts pendant 2 semaines. Au cours des 4 semaines suivantes, il est resté dans le top 10 tout en rivalisant avec d'autres films de kung-fu, notamment Lady Kung Fu, The Shanghai Killers et Deadly China Doll qui ont occupé la première place pendant 1 semaine chacun. En octobre, Opération Dragon a regagné la première place au cours de sa 8e semaine. Il a vendu 14,1 millions de billets et a rapporté $25 000, équivalent à $160 000 en 2022, depuis sa sortie initiale aux États-Unis, ce qui en fait le 4e film le plus rentable de l'année sur le marché. Il a été réédité à plusieurs reprises tout au long des années 1970, chaque réédition entrant dans le top 5 des classements du box-office. Le montant brut du film aux États-Unis était passé à $100 000 en 1982, et à plus de $120 000, l'équivalent de $670 000 ajustés à l'inflation, en 1998. En Europe, le film a d'abord monopolisé plusieurs cinémas du West End de Londres pendant 5 semaines, avant de devenir un succès à guichet fermé en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe. En Espagne, il s'agit du 7e film le plus rentable de 1973, avec 2 462 489 billets vendus. En France, C'était l'un des 5 films les plus rentables de 1974, au-dessus de 2 autres films de Lee, La Voix du Dragon au numéro 8 et Fist of Fury au numéro 12, avec 4 444 582 billets vendus. En Allemagne, c'était l'un des 10 films les plus rentables de 1974, avec 1,7 million de billets vendus. En Grèce, le film a rapporté $1 million, équivalent à $6 600 000 en 2022, au cours de sa première année de sortie. Au Japon, il s'agissait du 2e film le plus rentable de 1974 avec des revenus de location des distributeurs de 1,642 milliard de yens, équivalent à $3,445 million en 2019. En Corée du Sud, le film a vendu 229 681 billets dans la capitale Séoul. En Inde, le film est sorti en 1975 et a fait salle comble. Dans un théâtre de Bombay, le New Excelsior, le spectacle a duré 32 semaines bien remplies. Le film a également été un succès en Iran, où il y avait un théâtre qui le jouait quotidiennement jusqu'à la révolution iranienne de 1979. Contre un budget serré de $850 000, le film a rapporté $100 millions, l'équivalent de $660 millions en 2022, lors de sa sortie mondiale initiale en 1973, ce qui en fait l'un des films les plus rentables au monde de tous les temps à ce jour. Le film a ensuite été réédité à plusieurs reprises dans le monde entier au cours des décennies suivantes, augmentant considérablement son chiffre d'affaires mondial. Le film a rapporté plus de $220 millions à l'échelle internationale en 1981, ce qui en fait le film d'arts martiaux le plus rentable de tous les temps. Il figurait toujours parmi les 50 films les plus rentables de tous les temps en 1990. En 1998, le film avait rapporté plus de $300 millions dans le monde. En 2001, il a rapporté un total estimé à plus de $400 millions dans le monde, ayant gagné plus de 400 fois son budget initial. Le rapport coût bénéfice du film en fait l'un des films les plus réussis et les plus rentables de tous les temps. Corrigé de l'inflation, le montant brut mondial du film est estimé à plus de $2 milliards en 2022. À sa sortie, le film a d'abord reçu des critiques mitigées de la part de plusieurs critiques, dont une critique favorable du magazine Variety. Le film a finalement été bien accueilli par la plupart des critiques, et il est largement considéré comme l'un des meilleurs films de 1973. Les critiques ont qualifié Opération Dragon de « un thriller de James Bond à faible loyer », un « remake de Docteur No », avec des éléments de Fu Manchu. J.C. Masek 3 de Pop Maté a écrit « Bien sûr, la véritable vitrine ici est la star évidente ici, Bruce Lee, dont la performance en tant qu'acteur et combattant est la plus renforcée par le transfert parfait du son et de la vidéo. » Alors que Kelly était un célèbre artiste martial et un étonnamment bon acteur et Saxon était un acteur célèbre et un étonnamment bon artiste martial, Lee s'avère être un maître dans les 2 domaines. De nombreux journaux et magazines de renom ont commenté le film. Variety l'a décrit comme « riche en atmosphère », la musique comme « un atout important » et la photographie comme « intéressante ». Le New York Times a donné au film une critique élogieuse. L'image est réalisée de manière experte et bien maillée, elle bouge comme un éclair et déborde de couleurs. C'est aussi le pirate informatique le plus sauvagement meurtrier et engourdissant, pas une arme à feu dedans, vous verrez jamais n'importe où. Le film détient un taux d'approbation de 88% sur le site web d'agrégation d'avis Rotten Tomatoes sur la base de 78 critiques, avec une note moyenne de 7,90. Le consensus critique du site se lit comme suit. Badass to the Max, Opération Dragon est le film de Kung-Fu ultime et le chant du signe approprié, bien qu'intempestif, de Bruce Lee. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne pondérée de 83 sur 100, basée sur les avis de 16 critiques, ce qui indique une « reconnaissance universelle ». En 2004, le film a été jugé « culturellement significatif » par la Bibliothèque du Congrès et sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry. Opération Dragon a été sélectionné comme le meilleur film d'arts martiaux de tous les temps, dans un sondage réalisé en 2013 auprès des critiques du Guardian et The Observer. Le film se classe également au 474e rang sur la liste 2008 des 500 plus grands films de tous les temps du magazine Empire. Opération Dragon est resté l'un des films d'arts martiaux les plus populaires depuis sa première et a été diffusé à de nombreuses reprises dans le monde entier sur plusieurs formats vidéo personnels. Pendant près de 3 décennies, de nombreuses versions cinématographiques et vidéos personnelles ont été censurées pour violence, notamment en Occident. Rien qu'au Royaume-Uni, au moins 4 versions différentes ont été publiées. Depuis 2001, le film est sorti en version intégrale au Royaume-Uni et dans la plupart des autres territoires. La plupart des DVD et Blu-ray sont dotés d'un large éventail de fonctionnalités supplémentaires sous la forme de documentaires, d'interviews, etc. En 2013, un deuxième transfert HD remasterisé est apparu sur Blu-ray, présenté comme l'édition 40e anniversaire. En 2020, de nouvelles restaurations numériques de Kelvin de la version cinéma et de l'édition spéciale ont été incluses dans le coffret Bruce Lee, His Greatest Hits par The Criterion Collection, sous licence de Warner Bros. Home Entertainment par le biais de la coentreprise de médias physiques aux États-Unis et au Canada nommée Studio Distribution Service, LLC. Et Fortune Star Media Limited, qui présentait tous les films de Lee, ainsi que Game of Death 2. Le film a été parodié et référencé dans des endroits tels que le film de 1967, La Panthère Rose frappe à nouveau, la publication satirique The Onion, le jeu télévisé japonais Takeshi's Castle et le film d'anthologie comique de John Landis 1977 The Kentucky Fried Movie, dans sa longue séquence, Une poignée de yens, essentiellement une comédie, remake note pour note de Dragon, et également dans le film Balls of Fury. Il a également été parodié à la télévision dans That 70's Show pendant l'épisode « Jackie Moves Son », avec le personnage habituel endossant le rôle de Bruce Lee. Plusieurs extraits du film sont utilisés de manière comique lors de la scène théâtrale de Le Dernier Dragon. Les films d'arts martiaux de Lee ont été largement critiqués dans le film récurrent Almost Live. Sketch Faites attention à vos manières avec Billy Kwan. Le réalisateur indien Ram Gopal Varma a réalisé un film d'arts martiaux intitulé « Ladki, Hanté the Girl Dragon ». En août 2007, la société Warner Independent Pictures, aujourd'hui disparue, a annoncé que le producteur de télévision Kurt Sutter allait refaire le film sous la forme d'un thriller de style noir intitulé « Awaken the Dragon », avec le chanteur-acteur coréen Ren en vedette. Il a été annoncé en septembre 2014 que Spike Lee travaillerait sur le remake. En mars 2015, Brett Ratner a révélé qu'il souhaitait faire le remake. En juillet 2018, David Leitch était en pourparlers pour réaliser le remake. Opération Dragon a été cité comme l'un des films d'action les plus influents de tous les temps. Sacha Matuszak de Vice l'a qualifié de film de kung-fu le plus influent et a déclaré qu'il est référencé dans toutes sortes de médias. L'intrigue et les personnages continuent d'influencer les compteurs aujourd'hui, et l'impact a été particulièrement ressenti dans la manière révolutionnaire dont le film dépeint les Africains américains, asiatiques et arts martiaux traditionnels. Joel Stees du Prox l'a qualifié de « sans doute le film de kung-fu le plus influent de tous les temps ». Kwon H. Sing Chen et Ben Guat Chua ont cité ses scènes de combat comme étant influentes ainsi que sa « forme hybride et son mode d'adresse », qui présente une histoire élémentaire du bien contre le mal d'une manière si saturée de spectacle. Le cinéaste hollywoodien Quentin Tarantino a cité Opération Dragon comme une influence déterminante sur sa carrière. Selon Scott Mendelson de Forbes, Opération Dragon contient des éléments de films d'espionnage similaires à la franchise James Bond. Enter the Dragon était le film d'action-espionnage le plus réussi à ne pas faire partie de la franchise James Bond. Opération Dragon avait un box-office mondial initial comparable à celui des films de James Bond de cette époque, et un chiffre d'affaires à vie dépassant tous les films de James Bond jusqu'à GoldenEye, 1995. Mendelson soutient que si Lee avait vécu après la sortie d'Enter the Dragon, le film aurait eu le potentiel de lancer une franchise de films d'action-espionnage mettant en vedette Lee qui aurait pu rivaliser avec le succès de la franchise de James Bond. Le film a eu un impact sur les arts martiaux mixtes, MMA. Dans la séquence de combat d'ouverture, où Lee combat Sammo Hung, Lee a démontré des éléments de ce qui deviendra plus tard connu sous le nom de MMA. Les deux combattants portaient ce qui allait devenir plus tard des vêtements d'arts martiaux mixtes courants, notamment des gants de kempo et des petits shorts, et le combat se termine avec Lee utilisant un brassard, alors utilisé en judo et en jiu-jitsu, pour soumettre Hung. Selon Uriah Faber, combattant du temple de la renommée de l'UFC, c'est à ce moment-là que le MMA est né. La franchise de manga et d'anime Ball, lancée en 1984, s'inspire de Ante the Dragon, dont le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, était fan. Le titre Dragon Ball a également été inspiré par Opération Dragon, et les yeux perçants de la transformation Super Saiyan de Goku étaient basés sur le regard paralysant de Bruce Lee. Entré dans les premiers jeux de bagarre inspirés de Dragon, il a été cité par le concepteur de jeux Yoshihisa Kishimoto comme une source d'inspiration clé derrière le jeu de combat de technos japonais Ketsukoa Kunio-kun, 1986, sorti sous le titre Renegade en Occident. Son successeur spirituel Double Dragon, 1987, s'est également inspiré de Ante the Dragon, le titre du jeu étant un hommage au film. Double Dragon présente également deux ennemis nommés Robert et Williams, une référence aux deux personnages Robert et Williams de Ante the Dragon. La suite Double Dragon 2, The Revenge, 1988, comprend des adversaires nommés Bolo et O'Hara. Opération Dragon était la base des jeux de combat. L'intrigue du tournoi du film a inspiré de nombreux jeux de combat, dont la série Tekken. La franchise de jeux vidéo Street Fighter, lancée en 1987, s'inspire de Ante the Dragon, avec un gameplay centré sur un tournoi de combat international et chaque personnage ayant une combinaison unique d'origine ethnique, de nationalité et de style de combat. Street Fighter a ensuite défini le modèle pour tous les jeux de combat qui ont suivi. Le jeu d'arcade Nintendo peu connu de 1985 Arm Wrestling contient des restes de voix du film, ainsi que leurs homologues originaux. Le jeu de combat populaire Mortal Kombat emprunte plusieurs éléments de l'intrigue à Ante the Dragon, tout comme son adaptation cinématographique.